Aujourd'hui, je vais vous révéler un grand secret. Vous avez vu ? Regardez bien. Vous avez remarqué comment on retrouve toujours les mêmes formes dans les logos ? Toujours les mêmes symboles, la pyramide et l'œil. Et si nous étions contrôlés par les Illuminati ? Et si le triangle agissait sur nous ? Des études ont prouvé que des expositions prolongées au triangle nous rendaient nerveux et agressifs. Que prépare-t-il ? Savez-vous où on trouve de fortes concentrations de gens agressifs et de triangles ? Parfaitement, au football. Maintenant, regardez le maillot du PSG. Que signifie cet autre symbole ? Eh oui, le logo de cette célèbre marque représente les anneaux de Saturne. Mais pourquoi est-il sur le maillot du PSG ? Et si on écoute l'hymne de la Ligue des Champions à l'envers ? Qu'entend-on ? Est-ce une simple coïncidence ? Intéressons-nous maintenant à cette photo d'un joueur les plus célèbres du PSG, Zlatan Ibrahimovic. On dirait qu'il essaie de nous avertir de quelque chose. Si vous doutez de l'existence des extraterrestres, regardez ce témoignage de l'astronaute Egbert Mitchell. Ce n'est pas un sujet inconnu. Des gens sont au courant. Il existerait plusieurs espèces différentes d'extraterrestres, et apparemment, elles existeraient depuis très très longtemps. Et les crop circles qui seraient en fait des traces d'atterrissage d'OVNI. Si on regarde l'un d'entre eux d'un peu plus près, que voit-on ? Parfaitement, il ressemble trait pour trait au logo de la FIFA. Mais quel est le lien entre les Illuminati, l'agressivité, les aliens et le football ? Et si le football était un piège des Illuminati pour détruire les extraterrestres ? Et si les terrains de foot étaient une imitation des crop circles pour attirer les ovnis ? Alors maintenant, ça ne fait aucun doute. Le football est un complot des Illuminati. Les Illuminati attirent les aliens dans les stades de foot. Pour qu'ils se fassent attaquer par les supporters. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. I'll be all you need.